8 proverbes. Thème. Amitié. 1. L'amitié d'une jeune fille, c'est rosé du mois de mai. Au soleil levé, il n'y en a plus. Proverbe franc comtois Ce proverbe franc-comtois, l'amitié d'une jeune fille, c'est rosé du mois de mai. Au soleil levé, il n'y en a plus, signifie que l'amitié d'une jeune fille est souvent éphémère, semblable à la rosée matinale qui disparaît dès que le soleil se lève. Il met en avant le fait que les relations amicales avec une jeune fille peuvent être instables et fugaces, pouvant se dissiper rapidement. 2. L'amitié n'existe réellement qu'entre gens vertueux qui n'ont rien à se cacher. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que la véritable amitié ne peut exister que entre des personnes vertueuses, honnêtes et transparentes. En effet, pour qu'une amitié soit sincère et durable, il est important que les amis se respectent mutuellement, partagent des valeurs communes et n'aient rien à cacher les uns aux autres. Cela implique une relation basée sur la confiance, la loyauté et la bienveillance. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance des valeurs morales et de l'intégrité dans les relations amicales. 3. Nulle amitié sans crainte. Proverbe français. Le proverbe nulle amitié sans crainte signifie que dans toute relation amicale, il existe toujours une certaine peur ou appréhension. Cela peut être dû à la peur de décevoir l'autre, de perdre l'amitié ou de se sentir vulnérable. En résumé, ce proverbe souligne que la peur est souvent présente même au sein des relations amicales les plus solides. 4. Une grosse querelle, quelque vive qu'elle soit, devient quelquefois la cause d'une grande amitié. Nous voyons ordinairement qu'on se réconcilie à la fin d'une querelle. Proverbe tibétain Ce proverbe tibétain souligne que même une dispute intense peut parfois être à l'origine d'une grande amitié. En effet, il arrive fréquemment que les personnes en conflit finissent par se réconcilier à la fin de la querelle. Cette citation met en lumière le fait que les désaccords et les confrontations peuvent parfois mener à une compréhension mutuelle plus profonde et renforcer les liens entre les individus. Elle nous invite à considérer les disputes comme des opportunités de croissance et de rapprochement plutôt que comme des obstacles à l'harmonie. 5. L'amitié surpasse la parenté. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand ⁇ L'amitié surpasse la parenté ⁇ met en avant l'idée que les liens d'amitié que l'on choisit peuvent parfois être plus forts et plus significatifs que les liens familiaux que l'on a par naissance. Il souligne l'importance des relations basées sur la confiance, le respect et l'affection mutuelle, même si elles ne sont pas liées par le sang. En résumé, ce proverbe souligne la valeur des amitiés sincères qui peuvent parfois être plus précieuses que les liens familiaux. 6. L'amitié d'un sot est un mur de sable. Proverbe indien. Ce proverbe indien, l'amitié d'un sot est un mur de sable, signifie que l'amitié d'une personne qui manque de sagesse ou de bon sens est fragile et peu fiable, comme un mur construit en sable qui peut s'effondrer facilement. En d'autres termes, il met en garde contre le fait de placer sa confiance en quelqu'un qui n'est pas capable de prendre de bonnes décisions ou de donner de bons conseils, car cette amitié risque de ne pas résister aux épreuves et aux difficultés. 7. L'amour veut conquérir, l'amitié conserver. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que l'amour est souvent associé à la passion et au désir de conquérir le cœur de l'autre, tandis que l'amitié est plutôt liée à la volonté de préserver et de maintenir une relation solide et durable. En d'autres termes, l'amour cherche à séduire et à conquérir, alors que l'amitié vise à protéger et à préserver les liens qui unissent les personnes. 8. Pour les cœurs corrompus, l'amitié n'est point faite. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que pour les personnes dont le cœur est mauvais ou corrompu, l'amitié n'est pas possible. En d'autres termes, il souligne que les individus malhonnêtes, malveillants ou hypocrites ne peuvent pas vraiment être de bons amis, car leur nature corrompue les empêche d'établir des relations sincères et authentiques avec les autres. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.